Yo les humains, welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. En fait je suis en train de me préparer. Devinez où je vais aujourd'hui. Je vais un tourne. Je vais à un tournage. Effectivement, je vais à un tournage pour un court métrage. Ça va être trop bien. Donc je suis figurante. Mais c'est comme ça que tous les grands acteurs commencent. En plus, je n'ai jamais fait de tournage, en fait. Je sais pas à quoi ça ressemble. Ça va me permettre de voir, en fait, en tant que figurant, je pourrais bien observer, bien voir comment ça se passe et tout. Le tournage, l'histoire, c'est une école de criminels. Et moi, je suis figurante pour être... Je fais partie des élèves et des étudiants de cette école de criminels. Ça me va comme un gant. J'espère que ça va être bien, donc c'est dans le 91, donc c'est un peu loin de où j'habite. Ça te dit de sortir aujourd'hui? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai un tournage en fait, je ne peux pas venir, j'ai un tournage, je suis vraiment désolée. Hein. Mais j'ai un tournage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah bah, aujourd'hui j'ai un tournage. Ah bah dis-moi, je t'invite à mon anniversaire, tu veux venir? Oh, mais oui! Ah! Mais je peux pas. J'ai un tournage, oh là là. Je suis une actrice en fait. J'ai des responsabilités. Mascara. Vous voyez là, c'est un mascara Hello Kitty. Mais c'est un mascara Hello Kitty. Mais il est tellement bling. Vraiment. Donc pour le tournage, est-ce qu'il y aurait un code vestimentaire? Donc un dress code. Donc c'est nous-mêmes, enfin les figurants, c'est nous-mêmes qui devons ramener nos vêtements. Donc ils nous ont dit de venir avec une chemise blanche, avec un sweat ou un gilet à capuche noir et une cravate avec un pantalon noir. Moi, le pantalon j'ai mis maintenant, la chemise je l'ai repassée et je vais pas la mettre tout de suite, certainement pas, parce que sinon elle va pas être toute blanche la tenue si je la mets tout de suite. Donc voilà, et en plus j'avais même pas de cravate, donc j'ai dû aller à Primark en rapide pour aller m'acheter une cravate. Donc bref, on va mettre du mascara là. Alors les humains, là je viens de regarder sur internet, il est comment? Really, nigga? Je viens de regarder, il est comment le lycée dans lequel on va tourner. Et en fait j'étais surpris parce que moi je pensais que c'était un lycée normal et tout comme les autres quoi. Mais en fait pas du tout, on dirait un château et tout. Genre en fait c'est un beau endroit, moi je pensais que c'était les lycées banals. Mais en fait non, c'est un lycée bien situé et tout. Mais waouh, en fait j'avais pas regardé, mais là je me suis dit bah on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Parce que sinon je vais jamais trouver l'endroit si je vais aller là-bas. Donc c'était pour me demander, pour me mettre un peu à l'idée à quoi ça allait ressembler. Mais heureusement j'ai regardé hein, parce que je serais allée là-bas sans regarder à quoi ça ressemblait le lieu. Bah j'aurais jamais trouvé hein. Parce que moi j'aurais cherché un lycée banal. Je vais en entretien. Est-ce que c'est la peine d'attacher ça? Du coup, la main. Ok. Dans les transports, je vais croire que j'ai un entretien alors que pas du tout, j'ai un tournage en fait. Genre. Voilà! J'ai envie de vous les attacher pour que ça fasse beau quand même. Pour que ça fasse un peu fashion, vous voyez. Mais est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit même? Est-ce qu'on a le droit à mettre? Du coup voilà, j'ai mis une ceinture pour que ça fasse un peu stylé. Let's go! Ok les humains, donc là on se dirige vers la gare. En vrai j'aime bien l'outfit hein. La dernière fois j'étais allée à un workshop avec Nike. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite. Et là je vais à un tournage. Waouh! Imagine je suis timide, c'est le même discours que la dernière fois. Imagine je suis timide, mais bon, la dernière fois j'étais timide, mais ça va, j'ai parlé avec des gens et tout ça. Mais là, encore les gens, je savais à qui j'allais avoir affaire parce que je connaissais quelques influenceurs avec qui j'étais. Mais là, je connais personne. Donc du coup je vous explique, là avec moi j'ai un sac à dos parce que vu que je suis figurante, je fais de la figuration pour jouer les élèves. Bah, de l'école, bah il me fallait un sac à dos avec des vraies affaires d'école pour que ça soit crédible. Mais carrément je suis en train de voyager là. Mais où j'atterris?
trop la honte. Je trouvais pas l'endroit en fait, donc du coup j'étais à pied. La fille, je vais me dire que vous ne savez pas où il est, c'est tout. Mais parce que le GPS aussi, il est bête pour le GPS, il me bouge. Le GPS, il m'emmène même pas à l'endroit exact. Du coup, la fille, elle a dit qu'elle allait m'envoyer sa localisation. Voilà. J'ai enfin trouvé les gars. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, c'est vraiment un château, genre ça fait vraiment criminel l'esprit du court métrage quoi. Du coup quand on est arrivé, on était dans la salle où il y avait tous les figurants et tout ça. Et ensuite on est parti aux toilettes pour l'aider à mettre sa cravate. Donc, du coup les réalisateurs, je pense qu'il y a des étudiants en école de cinéma, donc ils étaient en train de vérifier que tout était bien, qu'on avait bien nos tenues et tout ça. Et ensuite on est parti dans la salle de classe. J'aime trop le monde des caméras et tout, des lumières et tout, et c'était trop bien. Donc avant de rentrer dans la salle de classe, ils nous ont expliqué ce qu'on allait faire, ce qui allait se passer. En fait, c'était comme c'était une mise en situation en fait. Encore une fois, c'est votre quotidien. Donc en fait, vous faites même pas attention. D'accord. Voilà, vous faites même pas attention, c'est un élève normal, c'est comme s'il rentrait avec un sac de sport. C'est la même chose. Donc du coup ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il y allait avoir un élève qui allait passer avec un corps qui traîne par terre et qu'on devait faire comme si c'était normal. Donc on a eu un plan de classe, ils nous ont placés, ils nous ont assis et tout. Et ce qui était bien, c'est que j'étais assise juste à côté des acteurs, donc on allait voir à la caméra. Désolée si je filme mal, mais j'étais gênée de filmer en fait. Par contre, ce qui était dommage, c'est qu'on paraissait vraiment plus jeune que les acteurs. Ça se voyait que les acteurs étaient plus vieux que nous. Mais en tout cas, les acteurs, ils étaient gentils. J'ai parlé avec une actrice qui était à côté de moi. Et en plus, leur tenue, waouh. Du coup, voilà, je parle doucement parce que je suis un peu timide. Mais on a fait plusieurs scènes dans la salle de classe. En fait, il nous a expliqué qu'on devait faire semblant d'écrire, semblant d'écouter le cours. Moi, je devais suivre le cours. Il y en a qui devaient, je sais pas, faire semblant de bavarder, mais vraiment, il devait vraiment faire semblant qu'il ne devait pas parler. Genre, il faisait genre en mode comme ça. Genre, c'est comme ça qu'il devait faire. Voilà. Donc là on a fini toutes les prises dans la salle de classe. Mais maintenant les acteurs ils comptent pour du beurre. Et maintenant c'est à nous les figurants. On devait enregistrer les voix off, genre les bavardages et tout ça dans la salle de classe. Si vous me voyez sourire et tout, c'est normal, on n'est plus filmé, il n'y a que les voix qui sont enregistrées. Mes réactions, genre on devait faire une réaction quand on fait avancer les partiels. Et genre la dame m'a dit que mes réactions étaient visibles et que je devais la refaire à chaque fois. Quand j'ai fait, je devais refaire la même chose, donc j'étais vraiment aussi devant la caméra. Du coup voilà. Mais en fait ça sert à quoi? Ils nous ont dit de mettre ça sert à rien. On n'a même pas utilisé. Et là, c'est leur cours, genre. On a fait la même cours. Le tournage est terminé et coupé. Voilà les gens, c'est la fin de ce vlog, je suis trop contente. C'était trop bien, c'était mon premier tournage, donc c'est cool. Et là, ça m'a donné envie de faire encore plus de tournages. Donc pour l'instant, je vais rester dans la figuration et après. Bah en fait finalement je pense pas que je vais me contenter d'être figurant. Parce que quelques semaines après le court métrage, j'ai tout cassé à mon spectacle de théâtre. Moi j'ai d'être ça. J'ai même été repérée par un agent. Alors non, croyez-moi, je vais pas me contenter d'être figurante, ok. On va viser le premier rôle principal, vous avez compris ou pas? Vous allez me voir sur Netflix bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Et au revoir, on se retrouve bientôt.